Bonjour. Alors, est-ce qu'il marche? Ah, bonjour à tous. Juste un petit signalement. Il y a une voiture 2008 blanche qui a les phares allumés, donc pour ne pas avoir des désagréments ce soir avec des problèmes pour repartir. Voilà. Si une personne se sent concernée.
Ça s'allume. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous propose de rejoindre vos places. La séance va commencer. Alors, étant la doyenne de cette assemblée, il me revient la charge de procéder de présider le conseil de communauté jusqu'à l'élection du futur président. Je déclare la séance du conseil de communauté de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup ouverte. Conformément aux dispositions de l'article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, je propose M. Sylvain Allais, Benjamin de l'Assemblée, en qualité de secrétaire de séance. Où il est, M. Allais ? Si M. Allais peut nous rejoindre. Voilà. Elle n'y est pas là, paraît-il, là, quand même. En plus d'un avocat. Je vais vous donner maintenant les noms de la liste des pouvoirs. Dominique Poudevigne a donné pouvoir à M. Gérard Brunel. M. Christian Brouillargues a donné pouvoir à Myriam Sabatier. Madame Corinne Martinez a donné pouvoir à M. Jacques Gros. Madame Patricia Costerast a donné pouvoir à M. Lopez Jérôme. Et M. Patrick Combernou a donné pouvoir à M. Jérôme Lopez. Voilà pour les pouvoirs. Conformément aux dispositions des articles L5211-2, L5211-6 et suivant du Code général des collectivités territoriales, l'organe délibérant du Conseil de la communauté doit être installé. Je déclare installer les nouveaux conseillers de la commune d'Ematel suite aux élections municipales des 14 et 21 novembre 2021, M. Alain Barbe et Mme Faustine Delambre. Je vais rappeler l'ordre du jour de la séance. Compte rendu des décisions du président et de la première vice-présidente prises dans le cadre des délégations attribuées par le Conseil de communauté. Élection du président, détermination du nombre de vice-présidents, élection des vice-présidents, constitution du bureau, délégation du conseil de communauté au président, composition de la CAO. Est-ce que vous souhaitez que je fasse la lecture
du compte rendu des décisions prises par le président et la première présidente. Je pense que vous l'avez tous reçu chez vous. Est-ce que vous avez des remarques à faire? Non? Je vous demande donc de prendre acte de la de prendre acte de cette communication. Il va maintenant être procédé à l'élection du président de la communauté de communes. Conformément aux dispositions statutaires de la communauté de communes et à celles des articles du Code général des collectivités territoriales, CG, CT, dont je vais vous donner lecture, nous allons procéder à l'élection du président de la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup par un scrutin secret. Article L5211-2. Les dispositions du chapitre 2, du titre 2, du livre 1er et de la deuxième partie relative aux maires et aux adjoints sont applicables aux présidents et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Article L2122-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L2121-10 à L2121-12 du CGCT. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Article L2122-10, le maire et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal. Maintenant, nous allons passer à l'élection du président de la communauté. Afin de faciliter l'organisation des votes à venir, je propose de désigner en qualité d'assesseur M. Anthony Ledu et M. Romain Kuzowski. Bon, vous êtes fait connaître, c'est très bien. Alors, je vais énoncer les candidatures. Monsieur Alain Barbe, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent se présenter? Je propose que Monsieur Barbe, si Monsieur Barbe veut bien se présenter, pas plus de 3 minutes. Voilà. Et je lis. Aucun débat n'intervient avant le vote. Hein. Voilà. Le chrono est parti. On peut lui accorder 1 minute de plus et tout seul. Non, c'est pas possible. D'accord. Vous m'entendez? Ça marche? Non, ça marche pas. Si? Je vais m'autoriser de déposer le masque quelques instants pour vous adresser quelques mots. Chers collègues et chers amis, j'ai envie de dire, et mesdames et messieurs, vous vous doutez bien que je n'avais pas imaginé d'avoir à vous présenter à nouveau ce soir devant vous. À nouveau ma candidature donc pour la présidence de notre intercommunalité dans ce mandat de 2020 à 2026. Toutefois, ma motivation est aujourd'hui intacte et j'ai un plaisir tout particulier de vous retrouver aujourd'hui pour agir et servir notre territoire. Vous connaissez mon parcours d'élu local, je ne vais pas vous faire l'affront encore aujourd'hui de vous le présenter.
sachant que les parcours aujourd'hui les plus courts semblent quand même les meilleurs. Si après cette parenthèse, je suis à nouveau candidat pour la présidence de notre intercommunalité, c'est par l'attachement tout d'abord à notre territoire, à notre communauté de communes et à ses 36 communes. Ce territoire du Grand Pic-Saint-Loup, je l'ai vu grandir, se structurer, s'organiser, pour devenir la première communauté de communes de l'Hérault en nombre d'habitants et en surface. Notre communauté, je la connais bien, et je vous connais bien. Je mesure aujourd'hui le chemin que nous avons déjà parcouru ensemble, mais aussi le travail en commun qu'il nous reste à faire. Je le sais, il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter, notamment à notre gouvernance. Ce sera une priorité pour ces prochaines semaines. Notre collectivité peut s'enorgueillir d'avoir su instaurer ces dernières années un climat de confiance entre les élus de notre territoire et plus largement envers les collectivités qui nous entourent. Chers collègues, je crois qu'il faut être aujourd'hui attentif les uns envers les autres. Soyons solidaires, soyons pragmatiques, soyons surtout volontaristes. Je vous propose de faire de nos communes le socle de notre intercommunalité, de donner à notre bureau des maires sa véritable place et de permettre à notre assemblée communautaire une plus large implication dans les décisions qui seront prises. Nous devrons porter une écoute encore plus grande envers nos communes, car le quotidien nous tenaille. La mutualisation sera une des clés de notre réussite. Nous l'avons déjà engagée. Il faudra poursuivre ce travail. Voici, mes chers collègues, parce que ma personnalité est ainsi faite, ma ligne de conduite restera l'écoute, le partage, le dialogue, qui font de moi un élu de proximité accessible. Je vous propose de continuer à bâtir l'avenir de notre territoire en respectant nos engagements. Moi, Alain Barbe, je valide des valeurs qui me sont chères. Humanisme, dialogue, honnêteté, droiture d'esprit, modernité de pensée. Grâce à elles, j'entends relever le défi avec vous. Je vous remercie. Alors, chaque élu a sur sa table la liste des conseillers communautaires avec le numéro qui leur a été attribué pour le vote électronique. Est-ce que quelqu'un vient ? Oui, allez. Alors, on va proposer, si vous en êtes d'accord, est-ce que le prestataire du vote électronique vient de vous présenter comment va s'opérer le vote et aussi vous présente un petit peu les modalités de ce vote qui se fait à bulletin secret ? C'est un peu, ça se fait avec un vote électronique, mais on a toutes les garanties sur le fait qu'il se réalise à bulletin secret. Donc, je vous propose de venir ici pour expliquer un petit peu certaines spécificités, hein, notamment, vous verrez pour les votes, tous les chiffres qui sont avec un chiffre devront être précédés d'un 0. Hein, c'est-à-dire que quand vous votez pour un 1, il faut mettre un 0-1. Donc on parle là tant pour le président que pour les VP hein, après. Donc, je vous laisse, si vous voulez vous mettre.
Donc, on vous projette cette attestation hein, de sécurité et de confidentialité que la société Hypermaster a acquise donc, et qui a été certifiée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on est là pour y répondre. Hein. En fait, c'est comme le vote que vous faites habituellement. Vous votez un pour, deux contre, de toute façon. Là, simplement, vous avez deux chiffres à saisir. Et une fois que ces deux chiffres ont été saisis, vous avez un OK qui apparaîtra comme d'habitude. Alors là, on faisait pour tout, hein, parce que ça va valoir tant pour le vote du président que pour les VP. Mais maintenant, on, si vous voulez, on peut... Ah oui, vous voulez qu'on donne le numéro, bien sûr, vous avez raison. Oui, oui, c'est le numéro 14 pour Monsieur Barbe, tout à fait. Donc, dans tous les cas, on va procéder maintenant... Je vais laisser la parole à Madame Nolli. Vous pouvez continuer. On va procéder maintenant au vote. Je déclare donc le vote ouvert. Oui. Le numéro à saisir est bien celui qui est en face du nom de votre candidat sur la liste papier ou affichée à l'écran. Ce sont les mêmes. On peut y aller. Pourquoi il me met un autre chiffre devant? Il me met 23 devant. Maintenant, j'ai pas vu. C'est OK. Pourquoi il m'a mis un 23 devant? Je sais pas comment. Oui, ça m'a fait OK. Donc, vous votez bien sur deux caractères uniquement, tel que c'est sur la liste. Toujours sur deux caractères. Il en reste trois. Donc là, n'hésitez pas à appeler à l'aide si jamais vous avez des difficultés. Hein. Donc là, il reste le vote de M. Rambier, M. Pécoul et Mme Rouvière-Esposito. Ça veut dire qu'ils ont supprimé et qu'on est en attente d'un vote à nouveau. Hein. Ils ont appuyé sur la corbeille. Non, non, il y en a encore. Ah, ça y est. Un pour Mme Castanier, pour que vous dénonciez le résultat du vote. Alors. Donc 56 pour M. Barre. Non, le nombre de votes total, il y en a combien? Le total, 57 votes exprimés. On a 6 votes blancs. Alors, 6 blancs. On a 56 votes pour M. Barre. 56 pour M. Barbe. 1 pour Mme Castanier. M. Barbe. 1 pour Mme Castanier. 1 pour Mme Castanier. Et donc, alors, ça fait combien de votes? Nombre de votes. On a eu 57 votes exprimés.
Ouais, c'est ce que vous avez mis. Okay. Et le nombre de votes total. 63 votants. 63 votants. Voilà. Avec une majorité absolue qui est à 29 voix. Attendez, dites-moi. Majorité absolue à 29. Voilà. Très bien. Bon. Résultat du vote. Nombre de votes 63. Nombre de suffrages exprimés 57. Nombre de votes blancs 6. Majorité absolue pour M. Barbe 29 voix. 56 voix, pardon. 56 voix et une pour Monsieur Castagnier. Madame Castagnier, excusez-moi. Voilà. Monsieur Barbeillan a obtenu la majorité absolue et proclamé président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Vous êtes bien sorti. Oh. Honnêtement, on est content de ce faire. Non, mais n'importe quoi. Ah. Bonne vue. Ouais. Il y a un petit peu trop de matériel. Bien, je vous remercie de votre confiance et pour ce vote que vous m'avez accordé encore aujourd'hui. J'ai prévu bien évidemment de vous dire quelques mots avant de poursuivre notre ordre du jour. Cette année 2021 aura été bien difficile et fort pénible en tout point de vue pour moi. Je m'en souviendrai de cette année 2021. Qui l'aurait dit ? Voici le titre que j'aurais pu donner donc, à cette fameuse année. Je réalise avec tristesse et à mes dépens que la valeur que je porte aux relations amicales a brouillé mon regard sur la réalité politique. C'est pour cela que le choix des urnes était la seule solution pour notre commune des Matelles. Bref, je ne refais pas l'histoire, vous la connaissez maintenant. Je tiens tout d'abord à remercier les nombreux messages de soutien et d'encouragement qui, pendant les 6 derniers mois, m'ont permis de croire en vous et de prendre de la hauteur. Je joins ces remerciements à la suppléance qui a été portée par la première vice-présidente, Michèle Lernoux, qui, durant les dernières semaines, a permis à notre collectivité de poursuivre son avancement. Durant les prochaines semaines, je vous rencontrerai pour échanger sur les dossiers qui nous attendent. J'apporterai des modifications au fonctionnement du bureau des maires pour en faire réellement un centre d'échange et de participation pour mieux travailler nos idées politiques et mieux prendre en compte la construction de l'ADN de notre futur territoire. Je ne vous propose absolument pas une révolution. Ce n'est pas dans mon tempérament, mais plutôt des priorisations et des modifications dans notre travail politique. Mais j'ai pu constater que malgré certaines différences, certains points de vue, nous sommes tous d'accord sur l'existence de notre collectivité, car elle est nécessaire à l'accomplissement de nos projets communs. Bien sûr, pour financer ces projets communs, nous devons donner à la communauté de communes des marges de manœuvre nécessaires. Ce consensus est le point de départ de notre travail. Nous sommes 36 communes,
Donc nous sommes 36 pierres. Et pour faire le liant du bâtiment commun, nous avons besoin de ce ciment qui est le travail en commun, et je m'en réjouis. Toutefois, n'oublions pas que nous évoluons dans un cadre contraint et qu'il n'est pas certain que nous puissions aller aussi loin que nous le souhaitions. L'important est de vouloir construire ensemble. Dans les prochaines premières choses que je souhaite mettre en place, ce serait de venir vous rencontrer dans vos communes, de suivre vos conseils si vous m'y invitez. Ainsi, la communauté de communes sera au plus près de vos besoins, de nos chantiers intercommunaux. La vraie question est, que voulons-nous faire ensemble? Même si je vous ai déjà exposé mes priorités pour la politique de notre collectivité, je souhaite une nouvelle fois vous les rappeler. Tout d'abord, le développement économique prioritaire, parce que je parle économie, elle n'est pas forcément que monétaire, mais nos concitoyens ont besoin d'emploi et de pouvoir d'achat. Nous devons créer les conditions pour la venue d'entreprises nouvelles sur notre territoire. Il nous faut, sans tourner le dos à notre histoire, explorer toutes les opportunités. Une lourde charge se pose au service du développement économique. Première compétence de notre collectivité, soyons opportunistes. Notre territoire peut se vanter d'être attractif. Nous sommes aux portes de Montpellier, dans un département qui accueille toujours plus d'habitants, dans une région Occitanie, définitivement tournée vers la modernité. Salutations aux conseillers départementaux et régionaux. Enfin, la transition écologique. Derrière ces mots, beaucoup de fantasmes, beaucoup de sujets rapidement dogmatiques. Il est plus compliqué d'avoir des politiques équilibrées et réalistes sur ce sujet que d'avoir des prêcheurs en haut des montagnes. Pour moi, l'écologie n'est pas l'ennemi des infrastructures et encore moins du développement. Et naturellement, nous ne construisons plus et ne pensons plus comme dans les années 1980. Nous sommes dans le mouvement. Nous vivons le mouvement et nous créons ce dernier. Mieux conserver, mieux préserver nos paysages, qui sont une économie, et mieux faire connaître notre environnement, qui est une réelle richesse. Pour finir, le président de la communauté de communes, ce n'est pas un super maire. Il n'a pas à décider seul. Et je me réjouis que l'immense majorité d'entre vous ait la volonté de travailler dans un esprit constructif. Je m'engage à mieux vous écouter, à prendre plus de temps. Après cette période difficile pour moi, je le trouverai et la défense de l'intérêt de notre commune n'est pas en contradiction avec le faire ensemble de la communauté de communes. J'ai besoin de vous et vous pourrez compter sur moi. Ah, j'avais terminé, hein. Je me suis dit bon. Mais vous l'avez compris, je suis pas de nature très inquiète tout de même, hein. Donc, ça... Bon, je vais enlever le masque parce que je pense que sinon à la fin de la séance, je vais tomber, hein. J'ai besoin d'un peu d'air. Alors, je vais poursuivre l'ordre du jour. Sachant que le premier point donc, que je vous propose, on a en fait 5 points ce soir à l'ordre du jour. Le premier, c'est la détermination du nombre de vice-présidents, l'élection des vice-présidents, la constitution du bureau, délégation du conseil de communauté au président, et enfin la composition de la CAO. Et j'ajoute un point supplémentaire qui sera le point 6, qui est la création d'un emploi de directeur de cabinet. Alors, tout d'abord, la détermination du nombre de vice-présidents. Donc, conformément donc, aux dispositions de l'article L52-11-10 du Code général donc collectivité territoriale, le nombre de vice-présidents donc, est librement déterminé donc, par l'organe délibérant. Donc, vous savez, hein, le nombre ne peut être supérieur à 20%.
Le nombre de conseillers communautaires donc, étant de 67, le nombre de vice-présidents, dont maximum, donc, est de 14. Donc, je propose que nous fixions donc, le nombre de conseillers communautaires donc, à 14. Donc là, vice-président, pardon, excusez-moi. Oui, parce que ça ferait un petit peu juste. Là, sur le coup, ça serait un peu réducteur. Je cherche mon boîtier, il est là-bas. Donc là, par contre, il faut procéder au vote. Donc là, comme vous en aviez l'habitude précédemment, donc 1 pour voter pour, 2 pour voter contre et 3 donc pour l'abstention. Il en manque 3. Ah, mais moi non plus. Ça n'a pas marché non plus. Merci. Pourquoi ça revient, moi? On va trafiquer mon boîtier. D'accord. Ah, le sketch. Bon, alors. Mais reconnaît mes doigts, c'est étonnant quand même, ça. Voilà, donc 63 voix pour et une abstention. Alors, je vais vous dire quelques mots avant de procéder au point suivant, donc, qui est l'élection des vice-présidents. Je ne vais pas être trop long, hein, rassurez-vous, mais c'est quand même important que je vous dise quelques mots avant de procéder à cette élection. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, le président de la communauté de communes, ce n'est pas le super-maire. Je ne suis pas non plus, rassurez-vous, un magicien, et même si nous rentrons dans une belle période qui est celle des fêtes, je ne serai pas non plus le Père Noël. J'ai la force de croire et la volonté de construire avec vous un travail colossal nous attend. Nous avons besoin de tout le monde, d'écarter personne. Pour cela, je reste dans la ligne que j'ai construite il y a quelques mois avec l'ensemble des exécutifs de l'exécutif des vice-présidents. Je ne porte donc aucune modification, vous le verrez dans mes propositions, sur cet exécutif qui a su travailler pour notre territoire, qui reste nos seules priorités et mon seul engagement. En vous proposant de continuer le travail engagé et de suivre la feuille de route, nous serons très rapidement en mesure d'avancer sur les projets que nous portons, notamment dans la mise en œuvre de notre projet de territoire. Nous sommes tous ensemble engagés dans une belle aventure sur notre territoire, riche de valeurs que nous partageons. Nos habitants, nos électeurs ne comprendraient pas que nous ne soyons pas capables de nous entendre dans leur intérêt. La tâche est lourde dans une époque où les réseaux sociaux sont prêts à vous lâcher aux loups qui sont souvent arrangés et bien moins grands que notre totem du Pic-Saint-Loup. Lorsque nous avons des décisions à prendre, des compromis à trouver, c'est toujours dans l'intérêt des citoyens et de freiner ce qui est par moments qu'un mal complexe, l'ego. J'ai pleinement confiance en notre assemblée communautaire et j'accorde aux vice-présidents que nous avons collectivement installé dans leurs fonctions en juillet 2020 une totale loyauté. Permettez-moi de les citer. Madame Michèle Lernoux, première vice-présidente en charge de la jeunesse, du sport et de l'APN.
Monsieur Antoine Martinez, deuxième vice-président, développement économique, attractivité du territoire, emploi et formation. Madame Laurence Christol, troisième vice-présidente, en charge du tourisme et la promotion du territoire. Monsieur Almalak Hussam, quatrième vice-président, aménagement de l'espace et du territoire. Monsieur Jérôme Lopez, cinquième vice-président, en charge des bourgs-centres. Monsieur Jean-Claude Armand, sixième vice-président, en charge de l'eau et de l'assainissement. Pierre-Antoine, septième vice-président, en charge des finances. Françoise Gallas, huitième vice-présidente, enfance et action sociale. Neuvième vice-président, Laurent Senet, en charge de l'agriculture, de la préservation des ressources naturelles et de l'environnement. Dixième vice-présidente, Madame Martine Durand-Rambier, culture et patrimoine. Onzième vice-président, Monsieur Philippe Doutremepuich, animation de la gouvernance. Douzième vice-présidente, Françoise Matteron, mutualisation et services aux communes. Treizième vice-président, Jean-Baptiste Panchaud, s'occupant des travaux. Et quatorzième vice-président, Gérard Brunel, en charge des ressources humaines. J'aurais aimé ici pouvoir citer tous les élus de ce territoire, qu'ils soient communautaires, maires, adjoints, adjoints aux maires, conseillers municipaux. Vous êtes pour moi tous des élus de grande valeur. Je ne vous l'ai peut-être pas assez dit. Valeur pour notre territoire, valeur pour nos projets et valeur pour leur réalisation. Ce n'est qu'ensemble que nous trouverons le chemin d'une gouvernance efficace. Je vous remercie. Alors, on va voter exactement de la même manière que le premier vote que vous avez fait pour le président, c'est-à-dire que vous avez votre petite listing avec les... Donc, c'est la même chose. J'annoncerai donc le nom et le numéro, comme ça, ça vous facilitera la tâche. Sachant que vous avez bien compris, vous pouvez vous abstenir, bien évidemment, sur cette proposition hein, en tapant donc le chiffre 68. On est bien d'accord. Voilà. Donc, le premier vote, il s'agit donc de Michel Lernoux. Bien évidemment, pour chacune des propositions que je fais de vice-présidente, il y a la possibilité de se déclarer comme candidat. Hein, donc, je vous poserai systématiquement la question avant de procéder donc au vote sur la proposition que je fais. Donc, je propose première vice-présidente, donc Michel Lernoux, en charge de la jeunesse, des sports et des activités de pleine nature. Y a-t-il un autre candidat pour cette fonction de première vice-présidente? Non. Alors, je vous donne le numéro de Michel. C'est le numéro 36, donc vous pouvez voter. Il marche pas bien, hein, ce truc. Hein. Ouais. Surveillez bien quand même le boîtier en frappant, parce que c'est pas toujours du premier coup. Hein. Moi, je suis un peu loin, j'ai un peu mal à voir. Alors, il y a visiblement 64 voix exprimées, un bulletin nul. Donc, Michel Lernoux, vous pouvez la féliciter. Michel Lernoux est donc élu première vice-présidente. Deuxième vice-président, Antoine Martinez, en charge du développement économique, de l'attractivité du territoire, de l'emploi et de la formation. Y a-t-il un autre candidat sur ce poste de deuxième vice-président? Non, je vous propose donc de procéder au vote sur le numéro 54. Il vient d'entrer, il me met un truc. Ça déconne, hein. Ah.
Ah, c'est pour ça, alors que c'est parce que je démarre trop tôt. Moi. C'est pour ça que ça bug. Je ne pas démarrer trop tôt, en fait. Le vote n'est pas ouvert. Attendez un petit peu. Mettez. Le vote est ouvert. Vous pouvez y aller. Je vous l'annoncerai. Ah non. On a un bug. On est toujours trahi par la technique. On est en train de le régler, hein, voilà. C'est bon ? Allez, vous pouvez y aller. Si, ça marche. Allez. Allez. Oui. On s'y croirait un peu. Hein. Mais on pourra en organiser un de l'auto si vous voulez. Hein. Ça serait intéressant. Hein. Alors, sur 64 votants, 58 votes exprimés et 6 votes blancs. Donc, le deuxième vice-président, Antoine Martinez, est élu. Vous pouvez le féliciter. Troisième vice-présidente, Laurence Christol, en charge du tourisme et de la promotion du territoire. Y a-t-il un autre candidat sur ce poste de troisième vice-président ? Alors, le numéro pour Laurence Christol est le 26. Attendez que le vote soit ouvert, je vous donnerai le... Allez. En fait, il ne faut pas démarrer trop tôt. Quoi qu'il arrive, nous gagnons beaucoup de temps. Soyons-en conscients. On peut accorder à la technique quelques dérapages. Donc, sur 64 votants, 60 votes exprimés et 4 votes blancs. Félicitations, Laurence. Quatrième vice-président, Hussam Al-Malak, vice-président en charge de l'aménagement de l'espace et du territoire. Y a-t-il d'autres candidats pour ce poste de quatrième vice-président ? Non, je vous propose de voter avec le numéro 62. Ça y est, c'est parti. Allez, encore un petit effort. Jérôme, tu t'en sors avec tous tes boîtiers ? Quarante-huit, c'est toi, Jérôme. Voilà.
64 voix, 59 exprimés. Félicitations, Hussam. Ensuite, le cinquième vice-président, Jérôme Lopez, en charge des bourgs-centres. Y a-t-il un autre candidat sur cette vice-présidence? Je vous propose donc de voter avec le numéro 48. Dalvozère. J'ai jamais fait de loto, mais je crois qu'on a mis. Soixante-quatre votants, 58 votes exprimés, 6 votes blancs. Félicitations, Jérôme. Sixième vice-président, Monsieur Jean-Claude Armand, en charge de l'eau et de l'assainissement. Y a-t-il un autre candidat sur cette vice-présidence? Non, je vous propose de voter à numéro 43. Donc 60 voix exprimées, donc 4 votes blancs. Donc félicitations à Jean-Claude Armand. Septième vice-président, Pierre-Antoine, en charge des finances. Est-ce qu'il y a d'autres candidats à ce poste de vice-présidence? Non, alors je vous propose de voter dans un instant. Attendez que ça démarre. Vous pouvez y aller sur le numéro 12. On voyage, hein, Lozère, Aveyron. Gardez-les les numéros, peut-être ils vous porteront chance pour le loto. Et si on gagne, demain, il n'y a plus personne à la communauté de communes. Micro. 60 votes exprimés et 4 votes blancs. Félicitations, Pierre. Huitième vice-présidente, Françoise Gallas, en charge de l'enfance, de l'action sociale. Est-ce qu'il y a d'autres candidats sur cette vice-présidente? Et on attend que ça soit démarré. Et vous pourrez voter pour Françoise Gallas avec le numéro 58.
63 votes exprimés, un vote blanc et deux votes nuls. Bravo, félicitations Françoise. Neuvième vice-président, Laurent Senet, en charge de l'agriculture et de la préservation des ressources naturelles et environnement. À une question. Oui, pardon, je ne me présente pas, j'ai une question. C'est à quoi correspondent les votes nuls? Parce qu'avec le boîtier, on ne peut pas voter nul. C'est 68. C'est le... Non, il y a le vote blanc, il y a le vote nul. Ah, au-delà de 68, pardon. Il faut faire 69 ou un autre, voilà, au-delà aussi, de la liste. Je vois passer un nom, Rouvier-Thérèse, qui a priori correspond à personne ici présent. Si. Elle est là. Ah, pardonnez-moi, excusez-moi, je ne vous ai pas trouvé sur la liste, je suis désolé. Voilà, elle est la suppléante de Éric Riguet, maire de Murle. Pour ça que tu l'avais pas sur la liste. Merci. Y a-t-il un candidat donc sur la vice-présidence donc que je viens de proposer, agriculture, préservation des ressources naturelles et de l'environnement? Non. Donc, je vous propose donc qu'on passe au vote. C'est le numéro 42. Jacques. Soixante-quatre votants, 63 voix exprimées, un vote blanc. Félicitations, monsieur Laurent. Dixième vice-présidence en charge de la culture et du patrimoine. Martine Durand-Rambier. Y a-t-il une autre candidature sur ce poste de vice-présidente? Donc, je vous propose de voter avec le numéro 06. N'oubliez pas le 0. Oula! Des fois, c'est. Des fois, ça va tout seul. La Christine, ça n'a pas marché. Et Faustine. Ça n'a pas marché. Sinon, tu l'annules, Faustine, et tu le refais. Ça y est? Ah, c'est parti. Ah, ça y est, ouais, il y a un petit temps. Soixante-quatre votants, 51 voix votes exprimés, 13 votes blancs. Félicitations, Martine. Onzième vice-président en charge de l'animation de la gouvernance, Philippe Doutremepuich. Y a-t-il des candidats pour cette vice-présidence? Je vous propose de voter avec le numéro 04. Putain, mais il y a des fois quand il veut pas. Hein. Ça revient. Philippe? Allez. Soixante-quatre votants, 55 votes exprimés. Félicitations, Philippe.
12e vice-présidente en charge de la mutualisation et du service aux communes, Françoise Matteron. Y a-t-il d'autres candidates ou candidats sur cette vice-présidence? Non. Je vous propose donc de voter avec le numéro 24. Bien pris, vous avez... Votants, 56 votes exprimés. Félicitations à Françoise. 13e vice-président, Jean-Baptiste Panchaud, occupant des travaux. Y a-t-il un autre vice-président ou une autre vice-présidente pour cette vice-présidence? Alors, vous pourrez voter avec le numéro 61. C'est parti. Lionel, il est là-bas au fond. Parfait. 64 votants, toujours 57 votes exprimés. Félicitations Jean-Baptiste. Et enfin, 14e vice-président en charge des ressources humaines, Gérard Brunel. Y a-t-il d'autres candidats pour cette vice-présidence? Gérard Brunel, le numéro 45. Jérôme, ça n'a pas marché. Jérôme Pouget. Ça y est, super, c'est parti. Votants, 58 votes exprimés. Félicitations. Gérard. À l'ensemble des vice-présidents réélus, vous n'oublierez pas à la fin de la séance d'aller voir Françoise Péril qui a pour vous une enveloppe, rassurez-vous. Vous serez peut-être surpris de ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Ne vous montez pas la tête, hein. Mais bon, vous avez une enveloppe à récupérer au bout de Françoise. Voilà, on a besoin juste d'informations, hein, administratives. Félicitations à vous toutes et à vous tous, chers camarades vice-présidents. Donc, j'aurai plaisir à vous retrouver très rapidement pour se remettre donc au travail. On va maintenant aller au point suivant, qui est la constitution du bureau. Je vous propose donc de constituer donc ce bureau à la fois du président, à la fois des vice-présidents et de l'ensemble des maires donc de notre communauté de communes, dont je vais vous redonner lecture. Donc, Jacques Gros pour la mairie d'Assas, Agnès Rouvière-Esposito pour la mairie de Busignargues, Philippe Doutremepuich, maire du Cos de la Selle et vice-président, Jean Vallon, maire de Cazevieille, Philippe Tourier, maire de Claret, Martine Durand-Rambier, adjointe au maire de Claret et vice-présidente,
Daniel Foutard, maire de Combaillot, Christian Bourriag, maire de Ferrières-les-Verreries, Geneviève Castagnier, maire de Fontanès, Pierre-Antoine, maire de Guzargues et vice-président, Stéphane Catania, maire de Loré, Pascal Vabre, maire du Triadou, Robert Arnal, maire du Mas de Londres, Éric Riguet, maire de Murle, Romain Kusowski, maire de Notre-Dame-de-Londres, Georges Capu, maire de Péguérolles-de-Buège, Myriam Sabatier, maire du Rouet, René Albe, maire de Saint-André-de-Buège, Françoise Matteron, maire de Saint-Bosile-de-Montmel et vice-présidente, Laurence Christol, maire de Saint-Clément-de-Rivière et vice-présidente, Michel Lernoux, maire de Saint-Gilles-du-Fesc et vice-présidente, Jean-Michel Pécoul, maire de Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Laurent Senet, maire de Saint-Jean-de-Buège et vice-président, Jean-Claude Armand, maire de Saint-Jean-de-Corny et vice-président, Gérard Brunel, maire de Saint-Martin-de-Londres et vice-président, Jean-Pierre Rambier, maire de Saint-Jean-de-Cucul, Jérôme Lopez, maire de Saint-Mathieu-de-Tréviès et vice-président, Frédéric Cossil, maire de Saint-Vincent-de-Barbérargues, Antoine Martinez, maire de Sainte-Croix-de-Quintillargues et vice-président, Gilles Berger, maire de Sauterargues, Éric Bascou, maire de Téran, Françoise Galas, maire de Téran, adjointe au maire de Téran et vice-présidente, Jean-Baptiste Panchaud, maire de Vacquières et vice-président, Hussam Al-Malak, maire de Vaillocès et vice-président, Gérard Fabre, maire de Val-Flonès, Nadine Joannin, maire de Viol-en-Laval, Anne Durand, maire de Viol-le-Fort. Donc voilà la composition donc, du bureau des maires. Ah, j'ai oublié quelqu'un. Ah oui, pardon. Mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de te voir. Voilà, mais on va rectifier, bien évidemment. Tu es adjointe, hein, adjointe au maire. Première adjointe au maire. Oui, Jean-Baptiste. Non, Philippe, oui. Alors, on va corriger aussi. J'étais pas sûr. Voilà, c'est rectifié pour les deux. Sinon, pas de correction à apporter. Donc, je vous propose donc et je soumets à votre vote la constitution du bureau telle que je viens de vous le présenter. Est-ce qu'il y a des votes contre cette... Ah ben non, pardon, les boîtiers. Ouais, moi, j'aimais bien à l'ancienne. Hein. Mais bon, donc, à votre boîtier. Donc, un pour, deux pour contre et trois pour abstention. Alors, les résultats, 62 voix pour et 2 abstentions. Donc, le bureau des maires est ainsi constitué. Le point suivant, ce sont les délégations du conseil de communauté au président. Bon, vous les connaissez, je vous propose de les refaire à l'identique de celles que nous avions votées ensemble. Au mois de juillet de 2020. Vous les avez eues, je crois, sur votre note de synthèse. Est-ce que vous avez, sur ce point, des questions particulières ou des besoins d'explication ou des corrections, voire ? Non. Je vous propose donc de mettre au vote les délégations du Conseil de communauté au président. Donc,
Il manque Francine. Si, c'est voté. Ouais. Donc, 60 votes pour, 3 abstentions. Ah non. Vous voulez qu'on recommence le vote ? Vous voulez qu'on refasse le vote pour libérer la machine ? Non, c'est pas utile. Bon. C'était, on ne va pas dévoiler. Bon, de toute façon, vous l'avez compris, le vote est favorable, donc on va s'en contenter. Voilà, c'est passé, je crois. C'est passé ? Bien. Merci pour votre vote. Alors, on va passer à la CAO. Alors, moi, ce que je vous propose, hein, globalement, je vais dire, là, je peux dire un mot plus général, sur l'ensemble des commissions, représentations que nous avons déjà, nous sommes déjà inscrits, nous sommes engagés, on est dans toutes les listes, je dirais. Donc, je propose que l'on fasse vraiment au plus simple. C'est-à-dire de réitérer finalement hein, les élus qui avaient été en son temps choisis. Hein, on avait délibéré hein, ensemble déjà sur ces comment dire sur ces élus représentants d'entre collectivités. Donc moi je vous propose de réitérer ces premiers votes et je vous propose exactement cela pour la commission d'appel d'offres dont je vais vous rappeler les membres. Donc moi je suis membre d'office, hein, Alain Barbe en tant que président de la commission, il y a Michel Lernoux qui est membre titulaire, Pierre-Antoine qui est également membre titulaire, Françoise Gallas, membre titulaire, Antoine Martinez, membre titulaire et Jérôme Pouget, membre titulaire. Ensuite on a Anne Durand en membre suppléant, Jérôme Lopez en membre suppléant, Dominique Poudevigne, membre suppléant, Philippe Tourier, membre suppléant, et Jean-Baptiste Panchaud, membre suppléant. Voilà, donc je vous propose de réitérer la même proposition, je dirais, sur la composition de la commission d'appel d'offres. Est-ce que ça suscite des questions ou des besoins d'explication complémentaires ? Non ? Alors je vous propose de voter donc sur la CAO. Et donc d'utiliser vos boîtiers. Tu veux intervenir ou tu peux, oui. Juste pour qu'on soit d'accord sur le réitérer, c'est confirmer aujourd'hui une délibération qui reste, dont on reprend la date d'origine. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vacances entre... Voilà, on est bien d'accord. Hein, merci. Ça va nous... enfin, Jean-Claude, il voulait plus être réélu à certains trucs, mais c'est quand même trop... C'est tant pis pour lui. Ouais. Ouais, voilà, mais ça ne marchera pas. Bon, c'est assuré que ça a fonctionné, en effet, sur le plan juridique. Donc, c'est voté avec 60 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie. Le point suivant, création d'un emploi de directeur de cabinet. Alors, c'est vraiment du formalisme pur, puisque bon, vous l'aviez déjà validé. Hein, nous avions déjà validé ce poste de directeur de cabinet. Je peux aujourd'hui, avec le recul, vous affirmer que ce poste était vraiment nécessaire hein, pour notre collectivité. On a atteint quand même une taille maintenant importante et suffisante.
Et il n'est pas bon d'encombrer la direction des services, notamment ma voisine qui est à ma gauche, je dirais, de sujets qui sont d'ordre plus politique que, je dirais, organisationnel. Donc cette fonction de directeur de cabinet est aujourd'hui très utile. En tous les cas, moi, je m'en rends compte dans mon quotidien par rapport au mandat précédent. Et je vous assure que je le sollicite beaucoup. J'espère aussi qu'il est à votre écoute, et je le sais qu'il l'est, mais n'hésitez pas, vous pouvez aussi le contacter à chaque fois que ça vous paraît utile et nécessaire. Il est aussi à votre disposition pour faire le lien aussi entre moi-même et entre les vice-présidents. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez des besoins particuliers. Donc je vous propose tout simplement la continuité dans la continuité avec cet emploi de directeur de cabinet tel que nous l'avions défini là aussi au début du mandat de 2020. Voilà, je ne sais pas si je peux répondre à des questions. Pas de questions, je vous propose tout simplement donc de voter pour qu'on puisse donc tout simplement réactiver, on va dire, le processus de création du poste. Cinq voix pour, 4 contre et 5 abstentions. Donc, c'est voté. Je vous remercie. Écoutez, nous sommes au bout de notre conseil de communauté. Vous l'avez compris, il y en a un autre bientôt. Donc, on aura l'occasion de se retrouver avant la trêve des fêtes de Noël. Alors, surtout, vous ne sortez pas avant de signer. On a des signatures à faire et après, c'est compliqué d'aller récupérer tout le monde. Donc, si vous pouvez rester en place, le temps peut-être des signatures. Madame Aliès, oui. Cher Dominique. Oui, on va faire, si tu veux, on va se mettre là. Hussam, tu avais une intervention. Tu peux y aller, vas-y. On t'écoute. Oui, j'ai juste pour rappeler que demain soir à 18h30, nous avons réunion des maires avec le directeur de la DTTM pour la carte que vous connaissez par rapport au risque. Donc, je vous conseille d'être là pour dans la discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à échanger avec le directeur Grégory Mathieu. Merci. Donc, réunion à 18h30 demain, réunion Aller à Feu de Forêt avec la DDTM et Mathieu Grégory qui sera présent. Alors, on appelle les vice-présidents à la tribune. Voilà, donc Madame Aliès propose au vice-président de venir à la tribune avec Monsieur Barbe. Les vice-présidents, là, vous venez juste un instant, là, ça ne durera pas longtemps. Il y a des grands derrière, il y a des grands derrière.
Ah, François, je t'avais pas vu. C'est vrai que ce que j'allais te dire, Michel, on le voit souvent. Hein? Comment tu veux avancer? Monte sur la table. C'est sûr qu'on se voit tous là. Là. On va peut-être pas lui pousser les bureaux là, non? Thank you.